Cacao fin et aromatique, voilà bien un mot qui évoque Madagascar. Comme vanille ou litchi, ylang ylang, mais aussi crevette, caviar, des mots associés à l'excellence que porte fièrement Madagascar. Cette culture de la qualité, nous souhaitons aujourd'hui la partager avec vous, avec tous ceux qui s'inscrivent dans la même volonté, dans la même démarche durable, dans la même vision d'une production agricole d'excellence. Notre candidature à l'organisation en juin 2023 de la réunion périodique du panel Cacao Fin est pour nous l'occasion d'une part de participer activement au rayonnement de ce que nos cacaotiers font dans le monde entier, sur tous les continents, mais également auprès des acteurs de la filière, qu'ils soient producteurs, exportateurs, chercheurs, pour que ce panel soit un lieu de rencontre, d'échange et de promotion de nos cacao fins et aromatiques. Madagascar s'apprête à fêter un siècle d'histoire cacaoyère. Nous souhaitons associer à cet anniversaire tous les pays membres de l'organisation ou non qui souhaitent confirmer ou rejoindre la liste des pays bénéficiant de l'annexe C de notre accord sur le cacao de 2010. Madagascar vous invite sur ces terres riches de sa culture, de sa biodiversité, de ses paysages légendaires. Madagascar, terre d'hospitalité et de sourire. Cette candidature est un message adressé à tous ceux qui partagent les valeurs non seulement de la qualité, mais aussi de l'histoire forte de nos recherches agricoles et scientifiques. Madagascar, trait d'union entre une Afrique nourrie de cette histoire cacaoyère et l'Asie qui nous a transmis son patrimoine génétique. Dans la pure tradition d'hospitalité malgache, nous nous proposons d'accueillir nos 12 experts en prenant en charge leur séjour et leur voyage en leur assurant un cadre serein de travail. Pour nous rejoindre, les experts et les candidats découvriront la diversité des voies aériennes qui mènent à Madagascar par Maurice en venant d'Asie, à partir des hubs de Nairobi et Addis Abeba pour l'Afrique et depuis l'Europe grâce aux hubs de Paris, Genève, Francfort et Istanbul. Nous vous offrirons non seulement un cadre de travail dans les meilleurs hôtels internationaux qui viennent d'ouvrir ces dernières années et où vous découvrirez une restauration gastronomique et diversifiée. Nos chefs régulièrement primés vous feront découvrir la richesse et la diversité de nos produits d'exception locaux. Les réunions qui se tiendront en hybride seront assurées via des connexions fibres reconnues parmi les plus performantes d'Afrique et seront centralisées dans le centre d'Antananarivo. Un cadre et un accueil personnalisé et préférentiel seront proposés aux pays qui souhaiteraient présenter leur dossier cacao fin en présentiel. Notre Conseil national cacao assurera l'organisation et la coordination de cette réunion. Nous vous invitons au mois de juin 2023. Ce mois ouvre la nouvelle campagne vanille. Il est le premier pic de production de cacao de l'année. Il est le mois où les floraisons de nos litchis et de nos girofliers apparaissent. Il est le mois d'ouverture de la campagne café et de nos poivres. Il est le mois de notre fête nationale. Il est le mois de tous nos espoirs.